Alors salut tout le monde, c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo tant attendue contre le Dortmund, le Borussia Dortmund pardon. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas bien présenté mes joueurs parce que je croyais que je les avais présentés dans l'épisode 12. Dans le 13 j'ai pas bien présenté, donc je vous les présente cette fois-ci. Diego Reyes viendra pour 25 millions d'euros. À la Roma, 20 millions, 20 millions, pardon. Donc je le trouve pas mal du tout. Il a 23 ans, 20 millions, ça reste raisonnable. Là, c'est un peu plus cher, certes, mais le joueur est déjà, il a déjà un mental d'acier, un physique de lion. Et puis, marquage, tacle, il a du courage, il y va, quoi. Sandro, ça va pas rigoler. Je prêterai sûrement Casadio, mon milieu défensif jeune, là, ce Casadio. Et puis Michael Bradley, s'il arrête, enfin s'il continue pas, quoique là ça va. Il commence à revenir vers les 7, il commence à faire des prestations assez bonnes. Mais s'il se réveille pas, il va partir. Ça c'est une certitude, Michael Bradley. Ou en tout cas la saison prochaine, il sera prêté s'il ne sera pas vendu. Donc voilà. Ensuite, je vais. El Nino m'a demandé de montrer Dodo. Et Tinyevaj, j'oublie à chaque fois. Donc cette fois-ci, je vais vous les montrer. F9. Alors, Tinyevaj, il est là. Il est là, je l'avais prêté à l'OM et c'est le Borussia Mönchengladbach. Je sais pas comment on dit, Mönchengladbach ou un truc comme ça. Donc ouais, j'aurais peut-être dû le garder et continuer à l'envoyer en prêt. J'ai fait une belle connerie quand même. Mais bon. Passons, il a quand même un assez beau graphe. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais un autre défenseur central dans l'équipe réserve. Il était plus jeune et il était meilleur. C'est Balario. Sauf que je me le suis fait shipper. Il a pas accepté mon contrat. Il a accepté celui d'une autre équipe. Et puis Dodo. Dodo, quand je l'ai laissé, il avait pas. C'était la saison dernière, il avait pas ces stats-là. Et puis en défenseur gauche, moi je l'aime pas trop. En milieu offensif gauche, j'aurais peut-être dû lui apprendre le poste. Ouais, ça aurait été vraiment une meilleure idée. Ou peut-être continuer à le prêter et le revendre plus cher plus tard. Je sais pas si je vous avais montré aussi, mais j'ai prêté. Voilà, c'est lui. C'est lui que je me suis fait piquer. Il a le même âge. Il a le même âge que Tinyevaj et pourtant il est meilleur. Et c'est pour ça que je l'ai vendu. Donc. Un joueur que je voulais vous. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai prêté Lucas. Donc je voulais pas montrer hein, dans l'épisode contre le Paris Saint-Germain. J'ai prêté Lucas à l'OM pour qu'il joue. Pour qu'il joue vraiment plus. Donc là, il n'est pas en manque de temps de jeu, c'est juste qu'il revient de blessure. Il a été blessé assez longtemps à l'OM. Donc il va revenir. Et Clément Grenier qui se refait une nouvelle vie. Hein. On peut voir à Liverpool, il se refait une petite santé. Moi je sais, hein. Franchement je sais que si Grenier je le fais jouer à la place de Canteros et Pjanic, je sais qu'il va me faire du sale. Mais je suis pas sûr qu'il m'en fasse autant que Canteros ou Pjanic. Donc pour l'instant, peut-être la saison prochaine, je vais encore le prêter. Et après, on verra. Pedro Obiang, franchement, je suis très 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 content. Il a que 6,89, mais je sais pas. On voit une vraie présence. On le voit vraiment présent dans le jeu. Et c'est déjà une pièce maîtresse. Et c'est le seul qui arrive à gérer cette place de milieu polyvalent ici. Donc voilà. Donc on va partir tout de suite pour le match. Contre Dortmund. Allez. Alors, je vais faire jouer Pedro Obiang. Hector Canteros, comme d'habitude, Mattia Destro, Antonelli à la place de Schmelzer, Castan, Marquinhos. Et Marquinhos qui est vraiment bof, hein, franchement, c'est la Champions, donc je vais faire jouer Ruffier. Adem Yalic rentrera sûrement en cours de partie pour aider un peu ses coéquipiers. Donc je vous ai pas montré le calendrier. Bon, j'ai fait deux matchs, j'ai fait une victoire contre Naples et un match nul contre l'Udinese. Du Van Zapata qui m'a sauvé, hein.
94e minute, il a mis le but. Donc ça nous permet d'être encore à 5 points de l'Inter qui a perdu, heureusement. On est à 5 points de l'Inter et de Naples, on a la meilleure différence. Donc si ça arrive à 74-74, enfin un peu plus, on sera tranquille. Il reste encore 4 matchs de Serie A. Donc voilà. On va partir tout de suite. On va partir tout de suite pour le match. Donc Castan, Marquinhos, Mario, Antonelli, Cassadio. Je vais plutôt mettre Bradley qui est un peu mieux en... Il est un peu mieux là en ce moment, Michael Bradley. Même si il reste bof bof quand même. Voilà. J'ai mon équipe. Ah, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli mettre Robben. Robben vraiment très très pourri. Hein. Franchement, il faut le dire, plus jamais je reprends Robben comme ça. Plus jamais. Donc, on va passer aux consignes. Tassotti. Donc, on est chez eux. J'ai préféré préparer le match en défensif. Allez, il faut faire un bon résultat. À Dortmund. Blazikowski, la première vitesse du match, beau tacle de... je crois que c'était Antonelli. Corner, c'est dégagé par Castan, Gervinho. Allez. Et toujours la balle dans les pieds Je sais pas comment on dit. Donc je vais rien dire, c'est mieux avant de faire une grosse faute. Et sortir un truc vraiment très bizarre. Allez, Gundogan, il faut bloquer Blazikowski. Il est très rapide, Blazikowski. Il faut le stopper. Et Mkhitaryan qui a déjà failli marquer. Heureusement que le défenseur était là. Allez, on passe en contre. Ce qui serait bien, c'est de gagner un petit but à zéro. Ou alors au moins de mettre un but à l'extérieur, ce serait pas mal. Un but à l'extérieur, ça nous donnerait déjà un petit avantage au match retour à Rome. Ah, et si Mats Hummels il veut bien me faire la même que Thiago Silva avec Paris, me faire deux pénaltys, moi je veux bien, franchement. Je demande que ça. Et Rui Patricio, l'ancien gardien du Sporting. Acheté par Dortmund. Dans le jeu, hein, dans le jeu. Je précise bien. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez. Il faut se réveiller, il faut mettre un petit but. Et Hummels qui m'a taclé sévèrement, Gervinho. Qui revient sur le terrain. Attention à la frappe de Sven Bender. Bender que j'aurais pu... Non, c'est pas lui, c'est son frère. Que j'aurais pu recruter à la place de but. Hummels ne me donnera pas de penalty, mais il me mettra un petit but. Donc je disais, c'est Bender, j'ai failli l'acheter à la place de Sandro et Reyes. Mais c'était le plus cher et puis j'ai préféré prendre un vraiment très jeune. Et moi je suis passé en défensif alors que je voulais passer en contrôlé. Attention à Marco Reus, attention à Marco Reus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si on se prend encore un but, ça va s'éloigner. Allez. Je sais pas qui c'est qui a touché. C'est Mario qui a touché Reus. Il a dû lui mettre un joli petit tacle. Allez, Castan. Antonelli. Antonelli. Allez, il faut pas lancer des ballons comme ça. Pedro Obiang. Antonelli, il s'est fait prendre la balle. Sven Bender. Non, c'est pas Sven, c'est son frère. Attention, Blazikowski et le 3. 3-0 contre Dortmund. C'est vraiment, vraiment, vraiment la merde. Et la finale qui s'éloigne peu à peu de la Roma. Je passe en offensif, hein, j'ai plus rien à perdre, je pense. Si j'arrive à mettre un but, ça pourrait peut-être sauver le truc si je gagne 2-0 chez moi. Et encore, ça va être très difficile de gagner 2-0 à Rome. Allez, Canteros, Mattia Destro. Oui, Mattia Destro, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'il m'a fait.
passez dans les espaces et prenez la défense de vitesse. Allez. 4 consignes pour relancer cette équipe et on va passer ça en contre. C'est un spectacle affligeant que j'ai vu. Allez, tout le monde paraît déterminé. Va falloir le prouver. Il va falloir mettre au moins un but. Et si vous pouvez en mettre 2, vous m'en mettez 2. Et si vous voulez en mettre 3, vous m'en mettez 3. Il n'y a pas de limite, les gars. Il n'y a pas de limite. Destro, Gaëtan. Allez, un petit penalty, ça serait pas de refus. Allez, Nicolas Gaëtan avec Mattia Destro. Gervinho. Gervinho qui passe avec Canteros. Allez, ça a l'air de mieux fonctionner, les petites consignes, là. Mattia Destro qui va centrer pour Canteros. Et c'est dans le petit filet. Malheureusement, c'est dans le petit filet de Rui Patricio. Allez, Subotic, Blazikowski, Sven Bender, Gundogan. Allez, il faut intercepter ce ballon. C'est bien joué. Dégagement, mauvais dégagement. Mais c'est pas grave, c'est récupéré par Canteros. Mais encore une fois, Gundogan. Et allez, Antonelli, il faut le bloquer. Et heureusement, Cruffier était là. Heureusement, Cruffier a paradé ce ballon. Allez. Allez, allez, allez. Lucas Piszczek. Attention, attention. Marquinhos qui fait des conneries. Et Stéphane Ruffier qui sauve une nouvelle fois l'AS Roma. Allez. Allez, allez, allez. J'ai confiance en cette équipe. Ils peuvent me mettre un petit but. Ce serait pas trop de demander un petit but. En tout cas, je pense. Allez. On va la tenter comme ça. On va la tenter à la dangereux. Une tactique qui n'est pas connue par mes joueurs. C'est beaucoup plus offensif. Meneur de jeu avancé en attaque. Je mets les deux. Canteros et... Allez. Demichelis pour renforcer un peu cette défense... Non, annulé. Je vais mettre Schmelzer. Schmelzer à la place d'Antonelli qui me fait un match de merde. Il faut le dire. 5,90. Il a laissé Blazikowski passer 2 fois. Et Blazikowski ne m'a pas pardonné. Il m'a pas laissé l'ombre d'une chance. Allez. Schmelzer. Pedro Obiang. Mattia Destro. Pour Pedro Obiang, c'était Zapata. Putain, Zapata, il avait juste à mettre le pied. Il avait juste à mettre le pied du Van Zapata. Ah, putain. Ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte. Mais c'est pas grave, ça repart avec Mario. Mario, Zapata, la frappe de Zapata. Et ce sera un corner. Le centre, le corner. Blazikowski face à Marquinhos encore une fois. Ouh. Ouh là 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 là. Allez, Blazikowski. Pjanic qui dégage. Qui dégage ce ballon, Pjanic? Allez. Un petit but pourrait nous aider. Un seul petit but pourrait redonner une lueur d'espoir à cette équipe de la Roma. Une chance peut-être d'aller en finale. C'est possible, il faut y croire. Allez, on va créer le surnombre. J'ai plus rien à perdre. Nourissine le corner. Destro, il est rapide, Destro. Destro. Récupération, Canteros. Ouh là 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 là. Ça, il fallait mettre le but maintenant. Allez, c'est maintenant ou jamais. Une des dernières actions de ce match avec Juvan Zapata et Pjanic qui a pas couru derrière. Bradley, Canteros, Pedro Obiang. Ah, depuis que j'ai mis mes petites consignes, ça va mieux, on n'a pas pris de but. Allez, Destro, récupère derrière Schmelzer. Pour Destro le centre, Miralem Pjanic et c'est encore une fois, allez, Canteros, Zapata et Rui Patricio imparable aujourd'hui. Stade de Dortmund, j'aimerais bien voir
Allez, dernière action, Pjanic. Allez, Destro, Destro, il faut se lancer. Et Sven Bender, la faute de Sven Bender. La faute qui vient au mauvais moment. Allez, il faut jouer plus vite. Il faut jouer vers l'avant. Canteros, Pjanic. Mario, Mario, avec Pjanic. Et c'est un hors-jeu. Et c'est fini. C'est fini. Et je vais les agresser un petit peu. Parce qu'ils m'ont fait un match de merde, il faut le dire. Ah là 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 là. Ils m'ont quand même mis 11 tirs cadrés. Ça fait mal. Ça fait mal pour la Roma. Donc, allez. Donc, je fais une petite coupure. Je fais le match contre Empoli. Et puis, on se retrouve pour le match retour. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Le deuxième match contre l'AS Roma. Alors, je pense que j'ai gagné la Serie A, là. J'ai fait le match contre Empoli, j'ai gagné 2-1. Je crois que j'ai gagné la Serie A, je pense. Je suis à 5 points au-dessus de Naples, et j'ai 5 points de plus qu'eux. Donc, si je gagne 80 points, et je me mets à 8,2, donc je pense que j'ai gagné la Serie A. À moins que je perde mes 3 matchs ici, et que ils gagnent leur... Leurs 3 d'après. Donc, on va partir tout de suite pour le match. Pour peut-être un exploit de la part des Romains. Alors, on va la jouer comme ça. Allez. Miralem Pjanic. Meneur de jeu avancé. En attaque. Canteros, pareil. Pedro Obiang. Je vais mettre Michael Bradley. Marcel Schmelzer. Qui je vais mettre? Mario. Leandro Castan, bien évidemment. Marquinhos. Et là, je vais mettre Mattia Destro. Et je vais changer les deux. Je vais mettre Mattia Destro en attaquant de pointe avancé. Kevin Strootman. Adem Yalic revient de blessure. Allez, il va falloir le remettre en piste, le petit Adem. Allez, je pense qu'on est prêt, on peut partir pour le match. On y va. Se pourrait-il que... Est-ce que les Romains pourraient réaliser l'exploit? Allez, mettre 3 buts, histoire d'aller en prolongation, puis au pénalty. Le temps nous le dira. Allez, il faut marquer des buts dès le début. Ce qui serait pas mal, c'est d'en mettre un tout de suite. Ça aiderait beaucoup. Allez, Canteros, Castan, Pedro, Bianc, Pjanic, directement dans les tribunes. Allez, allez. Je veux voir de l'action, je veux pas voir un match mort. 20 minutes et il s'est toujours rien passé dans ce match. Allez, on va attaquer. On va attaquer. On va passer en contrôler. Allez, Castan. Destro! Mais c'était dedans. Et Patricio encore. Patricio, mais il est vraiment, mais... extraordinaire. Pjanic. C'était pour Pjanic. Marcel Schmelzer avec Marquinhos. Leandro Castan. Mario. Bradley. Castan, allez, allez, il faut avancer, il faut avancer, il faut pas avoir peur. Consigne, on va passer en Zapata, Zapata, le premier but de Juvan Zapata. Allez, on court, on y va vite, 17ème but cette saison. Donc j'ai bien fait de pas le vendre. En début de saison, je me suis dit bon, je le garde comme joker et finalement, il met 17 buts, je savais de quoi il était capable. Mais bon, ouf, ouf, heureusement que c'était hors jeu, que c'est pas rentré. Allez, allez, il faut mettre un deuxième tout de suite. Allez, on va passer en contrée. On va conserver le ballon, l'emmener dans la surface. Non, on va pas l'amener. On va prendre la défense de vitesse. Passer dans les espaces.
Allez, allez, on va faire ça, on va la jouer comme ça. Blazikowski, il faut le parer, Blazikowski. Il nous a fait mal au match aller. Nous, Emic Trajan, qui est hors jeu. Allez, Juvan Zapata, j'y crois, j'y crois. J'y ai jamais plus cru que maintenant. Allez, Schmelzer, on y va. Obiang, Destro, Destro, il faut la mettre au fond. Il faut la mettre au fond, Destro. Je vais montrer les stats du match comme on l'a demandé, comme on me l'a demandé, pardon. 4 tirs cadrés. Et Schmelzer, il faut mettre la tête dans le putain de but. Possession pour Dortmund. Allez. Un petit but avant la mi-temps pour baisser encore plus le moral des joueurs du Borussia Dortmund. Miralem Pjanic, Juvan Zapata, il était hors jeu. Il était hors jeu, il l'a même pas mis. Patricio, un monstre. Un vrai monstre, Rui Patricio. Allez, Stéphane Ruffier, il faut dégager ce ballon loin devant. Et vite, histoire de donner une action. Allez, Bradley. Ça, c'est bien joué. Allez, allez. Canteros, mon capitaine. Pjanic. Allez, Mario. Canteros, Pjanic, ça revient avec Bradley. Bradley qui va gagner ce ballon et ça sera la mi-temps. Ça sera la mi-temps à moins que le Borussia ait une dernière action. Allez, il faut siffler là. Il faut siffler par contre. Il faut siffler. Allez, allez. Mi-temps. Allez. Faut surtout pas se priver de mettre une raclée à Dortmund. Je pense que la tactique que j'ai mis au point, elle est pas mal. Elle est pas mal, surtout qu'ils n'ont pas de milieu défensif. J'ai mis un milieu offensif, donc ça leur chamboule un peu toute leur défense. Allez, ça va faire mal. Ça va faire mal, j'en suis sûr. On va amener le ballon dans la surface. Patricio qui dégage. Allez, il faut faire mal. Je peux vous dire que je l'ai préparé ce match. J'ai regardé toutes les faiblesses et toutes les forces de Dortmund. Canteros, et ses coups francs! Et Patricio, encore une fois. Patricio, encore une fois. Ça partait en lucarne droite. Et Patricio, j'aimerais bien savoir sa note. S'il finit pomme du match, personne ne le finit, hein, franchement. Allez, Destro! Il faut prendre ce ballon, mais il faut pas la dégager devant comme ça. Quand je donne une consigne, il faut la respecter quand même. Mathia Destro, Mathia Destro, et le deuxième but de Mathia Destro. Allez, plus qu'un petit but, plus qu'un petit but. Il a fait une grosse erreur, mais il s'est rattrapé. Mathia Destro, le petit crochet, et boum. C'est magnifique, c'est magnifique. La remontée des joueurs de l'AS Roma. On peut avoir une place en finale. Pedro Obiang, Mathia Destro, Michael Bradley. Allez, Marcel Schmelzer. Marcel Schmelzer, Michael Bradley, comme je vous ai dit, j'ai préparé ce match. J'ai regardé entre quelle minute et quelle minute ils prennent leur but. Attention à Mick Trajan. Allez. J'ai regardé les tactiques où ils étaient les plus faibles. J'ai regardé si ils prenaient plus de buts sur coup franc. J'ai tout regardé. J'ai vraiment envie d'aller en finale. D'habitude, je prépare assez bien mes matchs. Surtout ce important, mais là je l'ai vraiment, vraiment, vraiment bien préparé. J'ai dû mettre, allez, au moins 25 bonnes minutes à préparer ce match. Allez, Pjanic pour Destro. Destro, il va dribbler, il va dribbler, il va centrer, il va revenir. Et Patricio, encore une fois. Patricio, encore une fois, je vais solidifier la défense. Je vais solidifier la défense, je vais mettre Demichelis. Mario qui fait un gros match. Allez, je vais mettre. J'ai peur de mettre Demichelis. Je vais plutôt mettre Antonelli. Histoire de ramener un peu de fraîcheur dans cette équipe. Cassadio à la place de Bradley. Allez, allez. Il faut le faire. Il faut marquer cette saison. Il faut. Je pense qu'on est déjà champion. Il faut pas qu'il se mange le rouge, lui. Il faut pas qu'il se mange le rouge. Ouh. Lucas Piszczek avec Subotic. Subotic, ils essayent de conserver le ballon, les joueurs du Borussia Dortmund. Allez, on a 30 minutes. 30 minutes pour mettre un but. Je pense que c'est faisable. Avec l'accélération de Canteros sur le côté et la barre. La barre.
La barre transversale de Mattia Destro, c'est chaud, 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 chaud pour Dortmund. Ouh. Allez, il faut marquer. Canteros, au coup franc, il sera pas aussi beau que celui qu'il a sorti tout à l'heure, arrêté par Rui Patricio. Allez, Canteros, au corner. Castagne, et c'était presque dans les pieds de Marquinhos. Allez, Canteros encore une fois. Il peut centrer, Canteros, qu'est-ce qu'il attend? Pedro Obiang avec Antonelli, ça rejoue avec Pedro Obiang. Antonelli à nouveau. Allez, Pedro Obiang, il faut monter ce ballon. Il faut pas le descendre. Cassadio. Obiang qui a trouvé Zapata. Zapata. C'est dommage. Allez, allez. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et Rui Patricio qui a seulement 6-3 de notes. Mais grosse fesse. On a mis 7 tirs cadrés. Et seulement 2 sont rentrés. Allez, Pedro Obiang avec Destro. Destro, le but! Le but de Mattia Destro. Le but de Mattia Destro. Le but sauveur de Mattia Destro. Le doublé sur cette passe magnifique de Pedro Obiang. Il est tout seul dans l'axe et il a juste côté droit. Le but de Mattia Destro. Et là, là, tout Rome s'enflamme. Tout Rome s'enflamme. Les Romains qui reviennent à 3-3. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Il faut pas se manger de but. Et c'était chaud avec Mkhitaryan. Mkhitaryan qui a failli marquer. Il faut ramener Dortmund, marquer un quatrième ou alors ramener Dortmund au pénalty. Et ils m'ont blessé Canteros. Et ils m'ont blessé Canteros. Ça pouvait pas être aussi beau que ça. Le conte de fées est un peu taché. Heureusement que c'est la fin de la saison. Mais il me reste quand même pas mal de matchs, surtout la finale de la Time Cup. Et si j'arrive à tout rafler cette saison, si j'arrive à tout rafler cette saison, Zapata, le but! Le but de Duván Zapata! Et c'est dedans! Rome qualifié pour la finale! Rome qualifié pour la finale! Enfin, en tout cas, je l'espère. Pjanic, la passe, Zapata le contrôle et le but de Duván Zapata. Excusez-moi si je vous ai niqué les oreilles, mais 2 saisons d'affilée, on s'est fait, enfin la saison dernière, on s'est fait sortir, mais alors très très vite. Et puis là, on crée l'exploit contre Paris et on recrée l'exploit contre Dortmund. On les a eu deux ans de suite dans notre poule. On les a battus, mais là c'est en demi-finale. On revient d'un 3-0. Miralem Pjanic, allez, un cinquième, pourquoi pas? Et Castagne, 5-0, 5-0, la raclée donnée, la leçon donnée par les Romains. La leçon de football donnée par les Romains aux joueurs du Borussia Dortmund. C'est magnifique, Castagne. 5-0. 5-0. Oh putain. Oh putain. Et je crois qu'on affrontera Barcelone en finale. On affrontera Barcelone. Et un sixième. Et c'est parti pour un sixième. Oh dommage. Dommage, dommage. Une raclée, une leçon de vie, une leçon de vie qui a été donnée par les Romains là, aux joueurs de Dortmund. J'ai préparé cette tactique et je suis vraiment très très content qu'elle ait fonctionné aussi bien. Et Rome est en finale de la Champions. Ouh, on nous donnait huitième, on nous donnait dans les huitièmes de finale et on... Ouh, ouh là 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 là. C'est tout simplement magnifique. Ouh, 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 ouh. Destro, 35 matchs, 25 buts, 15 passes décisives. Ouah, 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 ouah. Le conte de fées continue à nouveau avec une superbe victoire de vos joueurs. C'est un résultat superbe. Mathia a été fantastique. Je suis satisfait de sa bonne forme et je vais pouvoir le conserver, j'en suis sûr. Joueur de l'année en Serie A. J'hésite entre Mattia Destro et Hector Canteros. Je mettrai quand même Mattia Destro parce qu'il a fait une très très grosse saison. Donc, je fais encore une petite coupure. Malheureusement, je pourrais pas faire la Coupe d'Italie, sinon ça fera une vidéo vraiment trop 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 longue. Donc, on se retrouve pour la finale. Je vais attaquer pour ce match. On se retrouve pour la finale, à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. La finale.
La finale tant attendue. Allez, il va falloir gagner. Je vous ai pas dit, je vais vous montrer le calendrier. Donc j'ai gagné la Serie A comme c'était attendu et la Coupe d'Italie aussi. Ça a été très facile, hein, franchement. Ils m'ont mis 2 buts très facilement. Ensuite, je suis revenu à 2-2 assez facilement. Et puis, c'est Sébastien Corchia qui m'a donné un penalty. Et j'ai gagné 3-2. Ensuite, Cagliari, j'ai gagné 1-0. Vérone 3-1. Et j'ai fait match nul contre Parme. Les joueurs étaient déjà en vacances. Mais il va pas falloir qu'ils le soient pour ce match-là. Allez. On va partir tout de suite. Et pour vous dire, Mattia Destro est à 28 buts avec 15 passes décisives. Donc c'est du lourd cette saison, Mattia Destro. Là, en 39 saisons, il avait marqué 24 buts. Là, il a mis 28 buts, plus une passe décisive en plus. Il est pas mal cette saison, Mattia Destro. Donc, Adem Yalic n'est pas encore prêt. Mario, je vais tenter Mario à droite quand même. Il revient de blessure, mais bon, c'est pas grave. J'ai Maicon au cas où. Stéphane Ruffier qui va jouer car c'est la Champions. Schmelzer. Sacco qui ne peut malheureusement pas jouer cette Champions League. J'ai qui d'autre? Du Mattia Destro, Nicolas Gaetan et Gervinho. Gervinho, très très important dans cette équipe. Gervinho. Hector Canteros, qui a été nommé. Attendez que. Stade carrière. Ah non, je sais pas où c'est. Palmarès, ça doit être là-dedans. Autre. Je sais. Ah voilà. Joueur de l'année en Serie A. Et j'ai été nommé entraîneur de l'année en Serie A aussi. Donc je pense. Même si j'ai fait une moins bonne saison que la saison dernière, c'était là. J'ai 84 points. La saison dernière, j'en avais 86. J'avais gagné 26 matchs. Là, j'en ai gagné 25. J'ai eu une défaite de plus. Et niveau des nuls, c'est pareil. Des perdus, c'est pareil. J'ai eu un nul de plus et j'ai perdu 4 matchs encore. Donc, j'ai fait une moins bonne saison que la saison passée. Mais mes adversaires étaient moins bons que moi. Cette fois-ci, j'ai pas eu la Juve qui a bien remonté quand même. Mais j'ai pas eu la Juve au cul. Comme ici, là le titre, j'allais le perdre. Hein. Le titre, je l'avais pas si la Juventus avait pas perdu dans ses 3 dernières journées. Donc maintenant, l'heure est à la Champions League. Et il va falloir gagner. Il va falloir gagner. Il n'y a pas d'autre solution ce soir. Ce soir, il va falloir gagner. Il va falloir vaincre le FC Barcelone. Ça va pas être chose simple, mais il va falloir le faire. Non, sérieusement, j'ai vraiment pas envie de perdre ce match. Franchement, je suis moi-même étonné. Je savais qu'on allait passer Montpellier, mais après Montpellier, je me suis vraiment dit, oh là. Le Paris Saint-Germain, je me suis dit, c'est mort. Et puis j'ai eu deux pénaltys, boum. C'est passé, crème. J'ai gagné le Paris Saint-Germain. Et là, Dortmund, franchement, alors là, je crois que j'ai jamais été autant excité pour un match de Football Manager. Franchement, je perdais 3-0 à l'aller et 5. Je suis revenu 5-0. De toute façon, vous l'avez vu. Hein. Mais comme je fais la vidéo en différentes. Je l'ai coupé en 3. Et là, je l'avais commencé à 17h. Là, il est 22h pour la dernière partie. Et Neymar déjà qui frappe. Je vais tenter la même chose que j'avais fait. Je vais passer en contre avec les mêmes consignes. Conserver le ballon, passer dans les espaces. Prenez la défense de vitesse. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Cesc Fabregas qui a marqué. Hein. Je crois qu'à cette saison, il a 18 buts la dernière fois que j'ai regardé. Cesc Fabregas qui joue milieu offensif mais qui marque des buts. Hein. Il marque des buts. De Siglio, Lionel Messi bloqué. Messi au corner. C'était pour la tête d'Angel Correa. Mais ça n'arrivera pas. Allez, c'est une touche pour les Barcelonais. 5 minutes de jeu et les Barcelonais qui pressent déjà avec 2 tirs cadrés. Le corner. Le corner de l'AS Roma. Et Piqué qui va remonter. Pas assez vif, Piqué.
par rapport à Pedro Obiang. Allez, Messi, il faut le couper, Messi. Ouh là là. Ouh là 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 là. Messi qui a déjà percé 2-3 fois là. En moins de 10 minutes, c'est pas bon du tout. Et Mario qui a déjà pris un petit coup. J'ai pris le risque de le mettre quand même sur le terrain. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas se laisser décourager. Il y a encore 0-0. On peut faire la même chose que contre le PSG, hein. Être complètement nul et pourtant gagner le match. Mais le mieux ce serait d'être fort et de gagner le match. Donc je vais montrer les stats comme on me l'a demandé. Dédicace à toi El Niño. Ah, j'espère franchement que je puisse gagner cette Champions League. J'en ai gagné seulement 2. Seulement 2 et... Non, 4. J'ai gagné 4. 4 en tout, mais bon, il y en a 2 que je compte pas parce que je jouais vraiment avec... Enfin, c'était le PSG, quoi. Donc, j'avais déjà une équipe cheatée. Et en plus, je l'ai gagné au bout de la 4e ou 5e saison. Donc, franchement, ceux-là, je les compte pas. C'était pas vraiment un vrai défi. Ceux que j'avais, les 2 que j'avais gagné vraiment, c'était avec Lille. Dans Football Manager 2011. Et là, ça avait été vraiment très, 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 très beau. Et Messi! Messi qui ouvre le score. 27e but de Lionel Messi. 27e but de Lionel Messi dans ce match. On va emmener le ballon dans la surface. J'ai dit 27e but de Messi dans ce match. Je sais plus du tout. Ouh là là. Je perds un peu la boule, moi. Allez. Il faut stopper Fabregas. Fabregas, il a une bonne finition. Allez, Gervinho. Gervinho pour relancer. Matcha Destro. Dommage. Dommage, dommage. C'était très, très bien joué. S'il avait juste cadré son ballon, ça aurait été vraiment parfait. Mais après, je peux pas lui en vouloir. C'était vraiment compliqué à reprendre. Allez, c'est pas grave. On va passer en contrôlé. Histoire de regarder si on peut prendre les choses en main. Alex Song et Angel Correa. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, c'est pas bon du tout. 2-0 pour le FC Barcelone. Pour l'instant, je suis vice-champion d'Europe et non pas champion. Donc c'est déjà pas mal, hein. Franchement, avec l'équipe que j'ai réussi à... C'est vrai que j'ai eu un parcours assez... ça aurait pu être plus compliqué, j'aurais pu tomber contre le Real ou le Bayern, ou même le Barça avant, mais... Mais voilà, je suis arrivé jusqu'en finale. Et je pense que c'est parce que mes joueurs le méritent. C'est parce que mes joueurs ont vraiment tout donné. Même si en championnat, on était un peu moins bon que la saison passée. Je pense que c'est surtout au niveau défensif. Hein. Depuis que j'ai Sako, ça va un petit peu mieux. Mais allez, il va falloir les agresser un petit peu. Gervinho qui va sortir. Gaëtan qui va sortir. Attaquant avancé, je vais reprendre la même tactique, renard des surfaces, et je vais faire rentrer Juvan Zapata, auteur de 19 buts cette saison, Miralem Pjanic en meneur de jeu avancé offensif. Allez, allez, il faut repartir, il faut gagner, il n'y a pas d'autre solution, il faut revenir à 2-2, il faut revenir à 2-2. Ah, Correa, très très dangereux, le jeune Argentin, très bonne pépite hein, dans Football Manager ou même dans FIFA, Correa, très très bon, Canteros, Pjanic, le but de Pjanic, et le match peut être relancé là, on peut y croire, Pjanic, petit but de Pjanic, ça fait du bien, j'ai eu peur à un moment, j'ai cru qu'il allait pas la mettre. Ouf. Et le Barça est privé de son gardien Muslera, l'Uruguayen. Je crois qu'il est blessé ou j'ai pas trop bien lu, j'ai vu ça dans la conférence de presse. Allez, Canteros avec Miralem Pjanic, Zapata Destro. Oh là 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 là. Ah putain, il fallait pas la rater celle-là, il fallait pas la rater. C'est un coup franc pour les Barcelonais. Ils vont pas nous le montrer, le coup franc.
Du Van Zapata hors jeu. De Siglio. A chaque fois que j'ai vu De Siglio, ça a présagé un but. Et là, c'est bon. C'est arrêté par Ruffier. Mais c'était moins une. Hein. Franchement, c'était moins une. Encore une fois. Canteros. Pjanic. Allez, putain. À la recherche de ma première Champions League, là, sur... FM 2014. Mais si, encore Ruffier. La parade de Ruffier. Si je... Déjà, là, je pense avoir déjà un beau budget, là, avec la Super Coupe, la Time Cup et le championnat. J'aurais un joli petit budget. Un peu comme la saison passée. En tout, j'ai eu 70 millions d'euros. Si je gagne... De toute façon, là, je suis déjà arrivé en finale, donc je pense que je vais quand même toucher un joli chèque en étant vice-champion. Mais je peux être encore champion. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et De Siglio la faute. C'est carton rouge, ça, carton rouge. Non, allez, sérieusement, il va falloir marquer. Il va falloir marquer ce deuxième but, quitte à aller jusqu'au pénalty. Attends, depuis tout à l'heure, je suis en offensif. J'ai pas froid aux yeux. Et j'ai aussi de la chance parce que Messi, il est arrivé trois fois devant les cages et Stéphane Ruffier a bien fait le travail. Franchement, j'ai pas mal de chance. Allez. Allez, allez. Il faut presser ce ballon. Il faut le presser. Messi, encore une fois, il s'échappe. Et Ruffier, encore une fois. Ruffier qui s'interpose. Allez. De Siglio, allez. Messi, il faut le parer, Messi. Neymar aussi. Et la faute. Dites-moi que c'est pas un penalty. Et le rouge de Leandro Castan. Le coup dur pour l'AS Roma. Allez, Cassadio va passer en défense. Et Pedro Obiang va faire l'intermédiaire. Meneur de jeu en retrait. En soutien, allez. Je suis tout fou aujourd'hui. Il faut qu'on gagne ce match. Coûte que coûte. Carton rouge, pas carton rouge. Il va falloir gagner. Et j'aimerais bien qu'il me mette un but, qu'il me fasse pas une Sergio Ramos. Mes joueurs. Aïe. Si j'ai vu de loin Neymar. Ça allait finir au fond. Allez. Mario avec Alba. Enfin, Alba récupère plutôt. Il rejoue avec Busquets. Alba qui va peut-être centrer. Bonne récupération de Pjanic. Oula. Je vais montrer un peu les stats. Je vais d'abord laisser terminer l'action. Et Pedro Obiang qui récupère ce ballon. 10 tirs cadrés pour Barcelone. Seulement 4 pour moi. Ils ont 60% de possession. Et là, je vais créer le surnombre. Et ils m'ont blessé Mario, c'est la crise. La crise est déclarée. 9 contre 10, contre 11 pardon. 9 contre 11. C'est la fin. Je pense que c'est perdu là. Ah putain. 9 contre 9 à 10, 9 à 9 contre 11, ça me paraît impossible. Conservez le ballon. Prenez la défense de vitesse. Allez. Il faut stopper ça. J'y crois encore, je suis tellement à fond là-dedans. Allez. Excusez-moi si le commentary n'est pas très très bon sur ce match. Mais je suis tellement à fond dedans. Ah, y a les Ruffier. Ruffier, il faut dégager, Ruffier. Allez, Schmelzer. Canteros, mais non, faut pas faire des passes comme ça. On peut pas se permettre de perdre des ballons sur des passes comme ça. Surtout de ta part, Canteros. Ça va pas du tout. Ça va plus du tout à Rome. Enfin, c'est pas à Rome, là. Mais ça va pas du tout. Ça va très mal pour les Romains. On joue à 9 contre 11. Ça me paraît bien être une bonne mission impossible, là. Neymar. Et c'est encore Ruffier. C'est encore Ruffier qui s'interpose. Hein. Ruffier,
Royal Ruffier sur ce match. Ah là 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 là. Chaoui. Chaoui pour le corner. Allez, sans souci. Il faut garder le ballon dans les pieds. Oula, c'est dangereux ce qui... À quoi il joue? C'est dangereux! C'est dangereux! C'est dangereux! C'est dangereux! Et Mattia Destro, 29e but! Mattia Destro, 29e but de la saison! C'est dangereux! C'était dangereux! Pjanic, la passe pour Destro! Et le but! Et le but! Allez, maintenant il va falloir tenir! Il va falloir tenir toute la prolongation! Contenir! Gagner du temps! Conserver le ballon! On va continuer à l'amener dans la surface. Allez, on va jouer comme ça. Oh putain. Oh putain, c'est beau. C'est beau. C'est beau ce qu'ils ont fait les joueurs de la Roma. 9 contre 11. À 9 contre 11. À 9 contre 11. C'est tout simplement magnifique. Et avec Mattia Destro pour faire ça. Pour marquer le 29e but de sa saison. Ouh là 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 là, je sais pas quoi leur dire, je sais pas quoi leur dire. Allez. Juvan Zapata et Pjanic. Pjanic, homme du match pour l'instant. Pour moi, homme du match. Passeur décisif et. Allez, Zapata, il est rapide, Zapata, il est rapide. Allez. On gagne du temps. Il faut gagner du temps maintenant. Chaque minute est précieuse. Xavi, Daniel Alves sur la transversale. Putain de merde. 13 tirs cadrés à 5. Ah putain. De Siglio. J'aime pas quand je vois De Siglio. C'est pas bon, c'est pas bon. Ouh. Sortie de but. On va gagner. Chaque minute est précieuse. Les pénaltys nous attendent. Les pénaltys nous attendent. Non, non, sortez-moi ce ballon, sortez-moi ce ballon. Il faut que je regarde qui c'est que j'ai comme joueur. Donc j'ai Mattia Destro, j'ai Hector Canteros, Zapata, je sais pas s'il les tire bien. Oula! Corner, corner, j'ai travaillé les corners. Ah putain, j'ai travaillé les coups de pied arrêtés offensifs. Il va falloir que ça fonctionne. Ah, Demichelis, il s'est fait avoir deux fois là. Pour le coup. Allez, Daniel Alves. Daniel Alves encore, il est partout, Daniel Alves avec De Siglio. Il faut sortir ce ballon. Putain, j'ai cru qu'elle était dedans et que mon gardien, il avait pas bougé. 2-2, je tiens le Barça à 9 contre 11. Je réalise pas là, je réalise pas. Je réalise pas ce qui est en train de se passer. Non, 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 il faut sortir ce ballon. Il faut sortir ce ballon. Je souffre. Je souffre. Les Romains qui souffrent. Et Ruffier, imparable. Imparable Ruffier. Non, oui. Ruffier encore une fois. Allez, Ruffier. On a encore... Non, 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 non. Oh non. Oh non. Et piqué. Créer le surnombre. J'ai plus rien à perdre. Je vais créer le surnombre. Ça a déjà fonctionné une fois. Pourquoi pas deux? Soyons fous. C'était sur une erreur du Barça. Mais on peut le faire. On peut le faire. J'y crois encore. J'y crois encore. Schmelzer. Allez, il faut courir, les gars. Il faut courir. Il faut pas s'arrêter, il faut pas s'arrêter. On est en finale, on a fait tout le chemin, le travail d'une saison. On peut pas s'arrêter là, on peut pas. Je l'ai préparé ce match aussi, hein. Franchement. Messi, c'est fini. C'est fini. Le Barça qui est champion d'Europe. Ah putain. Non, franchement, dommage. Dommage, c'était magique quand même ce qui m'a fait Mattia Destro là. Ah franchement, je suis fier de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs. Ils en sont arrivés là et Pjanic.
Même à 9 contre 11, ils sont dangereux face au FC Barcelone et leur défense de fer. C'est franchement, c'est beau, c'est beau. C'est beau ce qu'ils ont fait. Être vice-champion d'Europe au bout de la troisième saison, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, je m'y attendais pas du tout. Ah, et 5-2. 5-2. Ils sont en train de nous rembourser ce qu'on a mis. Ce qu'on a mis à Dortmund. On les a tenus quand même jusqu'en prolongation. Il faut. On a tenu le Barça jusqu'en prolongation. Eh Messi pour le sixième. Non, ça ne sera pas. Voilà. Là, ça fait un peu comme. Comme à la finale de la Champions League. Hein. Les joueurs de Diego Simeone. Allez, Destro. Allez, il fallait qu'il marque son 30e but. Il fallait qu'il le marque son 30e but juste pour ses stats personnels. Schmelzer. Xavi. Ah, je suis un peu dégoûté, hein, franchement. Je vous le dis, je suis un peu dégoûté. Être arrivé en finale et se manger 6-2, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et Busquets qui joue pas propre. C'est la fin, il gagne 6-2, il pourrait au moins essayer de pas faire de faute. Obiang, Canteros, Casadio, Pedro Obiang, Canteros. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Destro pour son 30e but. 30e but de Mathias Destro cette saison. Le dernier match et il arrive à mettre son 30e but. Il est vraiment bon, il est vraiment bon Mathias Destro. C'est beau. C'est bon, je suis quand même heureux, hein. Je suis quand même heureux pour lui. 30 buts, 16 passes décisives. Je sais même pas si j'échangerais mon Destro contre un autre. Et le Barça. Je vais les agresser un peu quand même. Aïe, aïe, aïe. Mathias Destro, 9 buts. Il était à 1 but d'être meilleur buteur de cette Champions League. Donc voilà, ce fut un réel plaisir, hein, de jouer toute cette saison avec vous. Faute violente. Allez, je vais lui mettre 2 semaines. Hein. Boum. Il accepte son amende. C'est un peu normal. Toujours pas de victoire dans cette compétition pour l'AS Roma. Vous devez sans doute vous demander si le club y parviendra un jour. Il ne faut jamais dire jamais. Cette équipe peut le faire, j'en suis persuadé. J'en suis vraiment persuadé. Si on était resté à 11 contre 11, je pense qu'on aurait gagné. On aurait gagné ou au moins on serait allé jusqu'au pénalty. J'ai une confiance en cette équipe, c'est dingue. Vous avez perdu tout espoir de remporter la Coupe des Champions aujourd'hui. Quel impact cette déception va-t-elle avoir sur vos joueurs? Ils vont avoir encore plus faim de la victoire et la saison prochaine, elle sera à nous. Non, franchement, on va se battre la saison prochaine. On sera là, on aura encore des meilleurs joueurs. Je suis fier de la prestation des joueurs, il faut le dire. Pas de chance aujourd'hui. Nous ne méritions pas de perdre aujourd'hui, mais tout peut arriver dans les prolongations et la chance leur a souri. Vous avez mené votre équipe de l'AS Roma jusqu'en finale pour vous incliner. Ça, c'est dur à accepter. C'est une déception, mais on garde la tête haute. Ouais. C'est un grand manque de professionnalisme et je vais m'en occuper. Alex Song, ouais, malheureusement, Alex Song, il a fait un très très gros match. Malheureusement pour nous. De Castan, ce genre de tac n'a pas sa place sur un terrain, c'est inacceptable. Et Mathias Destro qui va rester. Hein.
Serie A manager, bah, je vais dire moi. Je vais dire moi. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ce fut un réel plaisir de terminer cette troisième saison en vidéo avec vous. En attendant, je vous dis bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fera toujours très très plaisir. Ciao tout le monde!